was a time when I would fret about the time that lies ahead, until the time my Savior said, you are mine, never forget. So why should I worry if it shines or rains? I'm safe and warm under His wings. I'm in no hurry for an earthly thing. I'm forever in His care. Troubles come and troubles go, can't change a thing by worry. Kissing goodbye to all my worldly woes, I'm forever in His care. He wrote a middle with flowers bright. He sees a sparrow fall. Should I worry if it shines or rains? I'm forever in His care. Why should I worry if it shines or rains? I'm safe and warm under His wings. I'm in no hurry for a lovely Chers amis, bonjour. J'ai intitulé cette méditation, comme vous avez pu le voir sur le programme, Réussir sa vie avec bonheur, pour attirer votre attention sur deux manières de réussir sa vie. Quelle résonance le mot réussir produit-il en vous? Tout le monde pense à la réussite. Les jeunes pensent à leur propre réussite. Les parents et les grands-parents souhaitent la réussite de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Les chefs d'entreprise réussissent. Les chefs d'entreprise souhaitent la réussite de leurs affaires. Tout le monde a une bonne raison pour souhaiter la réussite. Mais qu'est-ce que c'est réussir? Les uns diront, c'est voir ses rêves se réaliser.
Pour d'autres, la réussite, c'est se faire un nom. Et vous savez, cette idée n'est pas nouvelle. Si on lit la Bible, on s'aperçoit que dès le 10e chapitre, 11e chapitre de la Genèse, il y a l'humanité ici rassemblée et leur objectif, c'est de se faire un nom. Et pour cela, eh bien, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font une tour gigantesque, une tour dont le sommet devrait toucher le ciel. Quand on regarde dans nos grandes mégapoles, on s'aperçoit que ce rêve de toucher le ciel par un grand building n'est pas tout à fait effacé de notre société. Pour un grand nombre, sinon la majorité, réussir, c'est certainement gagner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, c'est quoi réussir ? Être célèbre, populaire, riche, avoir le pouvoir. D'autres, peut-être plus simplement, éprouver de la joie, vivre dans le bonheur. La Bible a retenu cette maxime que l'on vient de lire. Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Le sage ouvre ici deux pistes pour nous mettre sur la voie de la véritable réussite. Toutes les deux convergent vers un même sentiment, le bien-être. Pourtant, entre ces deux styles de vie qu'il propose, il y a une nuance. Celui qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais sans plus, alors que celui qui a construit une relation avec Dieu connaît le bonheur. C'est-à-dire qu'il fait la véritable expérience du bonheur. Le mot « connaître » dans la Bible est un mot très fort. Il signifie « expérimenter ». Il expérimente vraiment le bonheur. Et finalement, par rapport à l'autre qui connaît que le bien-être, son état est supérieur. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de personnes ? L'habileté dans les affaires permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent et de devenir même peut-être très, très riche. C'est la réussite. L'habileté dans l'utilisation des talents permet de se faire connaître, de devenir une célébrité. On peut penser au monde du spectacle ou celui du sport. Les stars rassemblent les foules immenses qui les adulent. Pour eux, c'est la réussite. D'autres encore utilisent leur habileté dans le domaine de la politique. Par exemple, parce que leur conception de la réussite est en relation avec l'exercice du pouvoir. Notre société matérialiste a retenu la richesse, la célébrité ou la popularité et encore l'exercice du pouvoir comme les principaux critères de réussite. Notre sage ne le conteste pas. Mais il dit simplement, il trouve le bien. Ils ont réussi. Et pour autant, sont-ils vraiment heureux ? Baignent-ils dans le bonheur ? Que se passe-t-il quand ils sont
seuls face à eux-mêmes, avec leur richesse, leur pouvoir, leur popularité. Le sage pense tout simplement que leur réussite, finalement, est limitée. Alors, comment réussir sa vie avec bonheur? Lorsque Jésus dit « À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie ?» Pourquoi Jésus dit-il cela ? Gagner le monde apparaît ici comme une véritable réussite. Mais Jésus nous met en garde, car il nous dit « Il y a des réussites à risque, et ce risque est de taille, puisqu'il s'agit de perdre sa vie. » Alors comment réussir à recevoir le bonheur et à garder sa vie? L'évangile de Jean nous rapporte cette autre parole de Jésus en rapport avec la vie. « Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Cette vie offerte par Jésus est abondante par sa qualité et par sa durée. Par sa qualité, parce que la vie que Jésus nous donne, c'est une vie de bonheur, d'harmonie, de joie, une vie dans laquelle prime des valeurs telles que l'amitié, l'amour, la justice, la paix, l'espérance. Quant à la durée de cette vie, Jésus affirme qu'elle durera pour toujours et qu'elle ne s'arrêtera jamais. Pour obtenir cette vie, il n'y a qu'une seule alternative. Il faut être en relation avec Jésus parce que lui et lui seul a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Aucun autre homme ne s'est permis d'avoir de tels propos. « Je suis la vie ». Jésus ajoute « Celui qui croit en moi vivra ». Réussir sa vie avec bonheur, ce n'est pas seulement vivre mieux que les autres, c'est essentiel. L'essentiel, c'est de donner un sens à notre vie. Jésus a proposé trois objectifs pour pouvoir réussir et avoir une vie utile et harmonieuse. Son premier objectif qu'il nous propose, c'est de grandir. L'essentiel, ce n'est pas notre compte en banque, même si pour certains, ils augmentent, ils ne savent même plus quoi faire de leur argent. Non, ce n'est pas cette augmentation-là. C'est plutôt la croissance dans notre vie. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire grandir? On peut faire grandir notre vie intérieure, notre vie spirituelle. On peut faire grandir notre relation avec Jésus. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 2 et au verset 2, a cette déclaration qui peut faire sourire. J'ai utilisé pour cette déclaration, cette citation, cette Bible, cette traduction de la Bible, parce que je la trouve vraiment charmante. Comme des bébés qui viennent de naître, s'adressent à des hommes, des femmes, adultes, mais il leur dit cela, comme des bébés qui viennent de naître,
désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. C'est-à-dire, vous aurez cette vie dont Jésus a parlé. Le deuxième point pour le deuxième objectif de Jésus, c'est aimer. L'essentiel, ce n'est pas de devenir un personnage populaire que les foules pourront aduler, mais c'est à vous d'aimer. Jésus nous dit et que nous devons aimer comme lui a aimé. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le troisième, et on va rejoindre l'histoire des enfants ici, c'est servir. L'essentiel, ce n'est pas d'exercer le pouvoir sur les autres pour qu'ils vous servent, nous dit Jésus, mais ce que vous, vous les serviez. Les rois des nations leur commandent, dit-il, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en va pas de même parmi vous. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. Et il ajoute, « Eh bien, moi, je suis parmi vous comme celui qui sert. » En développant ces trois valeurs dans notre vie, nous allons réussir. Nous allons donner un sens à notre vie. Nous allons éprouver une joie immense et en plus, nous serons une véritable source de bénédiction et de bonheur pour ceux qui nous entourent. Le bonheur s'installera en chacun de nous. Pour réussir un tel programme, il faut faire une chose importante. Il faut mettre sa confiance en Dieu. Parce que, évidemment, quand on dit qu'il faut grandir de l'intérieur, aimer les autres et les servir, dans notre société d'aujourd'hui, ça ne sera pas les critères de la réussite. Mais ce sont les critères que Jésus nous propose. Et il faut y croire. Et c'est pour ça qu'un jour, où il y avait de très fortes difficultés dans le royaume de Juda, l'un de leurs rois, Josaphat, invita tout son peuple à relever un défi. Et voici comment il l'encouragea. « Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez forts. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » La confiance en Dieu amène la réussite, mais pas une réussite quelconque, la réussite avec le bonheur. Qui est habile en affaires s'en trouve bien, mais celui qui fait confiance au Seigneur connaît le bonheur. Dieu nous a donné un moyen efficace pour nous aider à grandir et pour nous guider sur le chemin de la réussite de notre vie avec bonheur. Ce guide, il est là. Vous le connaissez. Ce guide, on l'appelle aujourd'hui la Bible. Dedans, il y a beaucoup de choses qui nous permettent de trouver cette voie de la réussite. Aussi, nous avons décidé aujourd'hui d'offrir ce livre à toutes les personnes qui ne l'ont encore jamais lu, qui n'en possèdent pas. Nous souhaitons offrir ce modèle que j'ai lu tout à l'heure pour un texte, parce que ce modèle a été fait spécialement pour les personnes qui n'ont encore jamais ouvert la Bible.
si vous êtes dans ce cas aujourd'hui, si vous n'avez pas de Bible chez vous, eh bien, n'hésitez pas. Ce n'est pas la seule version de la Bible. Sur la table à la sortie, vous verrez, nous avons mis toutes les versions françaises actuelles. Il y a des petites, il y a des grosses. Chaque Bible a sa spécificité. Cette Bible a été faite pour ceux qui l'ouvrent la première fois. Vous trouverez aussi à la sortie ce petit dépliant, la Bible, premier contact. Ce petit texte a été écrit spécialement pour ceux qui n'ont jamais ouvert la Bible. Par où commencer? C'est quand même un volume important. Eh bien, nous vous expliquons ce qu'est la Bible, comment ça se passe, comment on peut trouver des passages qui nous conduisent pour le bonheur. Si vous souhaitez avoir cette Bible, eh bien, à la sortie, venez me trouver ou venez trouver Nathalie. C'est la personne qui est sur l'estrade et qui a lu le texte tout à l'heure pour introduire cette prédication. Vous trouverez aussi dans la feuille d'annonce ce petit signet qu'on a fait spécialement aujourd'hui pour découvrir des passages intéressants. Et ce signet, nous en avons plusieurs qui sont sur les tables derrière. Si vous voulez offrir des textes pour encourager, pour réconforter, pour faire du bien, eh bien, prenez ce signet pour vous et offrez-le aussi aux autres. Je souhaite vraiment que chacun d'entre vous découvriez une vie réussie dans le bonheur.